faut que ça clignote. Voilà, c'est parti, mon kiki. Oh. Allez, viens, hop, je t'attache quand même. Allez. Oui, je sais que tu vas venir dans mes bras, mais bon, à un moment donné, tu n'aurais peut-être plus envie. Mais vous voyez, elle est là. Et je suis au soleil. Les bonnes habitudes. Bonjour mes amours, comment ça va? Bonjour les chéris, d'ici au Portugal, comme d'habitude, et de partout ailleurs. Elle est là, ma sœur. Là. Oh, ma grande sœur. Ouais, dis donc. Non, on n'a pas fêté le retrouvailles hier soir. Non. On n'a même pas fêté. Non, même pas. Non, t'étais fatiguée. Oh, j'étais énervée hier soir parce que juste avant d'arriver, là, une demi-heure à peu près, tout m'a lâché. J'avais plus de réseau, j'avais plus d'internet, j'avais plus de téléphone, plus d'SMS, plus WhatsApp, plus de GPS, plus rien. Elle est venue à tâtons avec Foxy jusque-là. Alors j'ai vu, il y a un panneau juste avant d'arriver, juste avant d'entrer dans le village, oui. Il y a un panneau avec, vous savez, le camping-car avec le machin dessous. Pour des vidanges. Pour des vidanges et tout ça. C'est chouette, ça va être marqué. Tu parles rien. Mais elle s'est souvenue, que c'était un terrain de foot. Je me suis souvenue qu'il y a un terrain de foot. Voilà. Et par contre, j'ai découvert quelque chose quand André est passé devant. Elle n'a même pas vu une station de service. Oui, bah. Et la station, c'est modèle. Bah, surtout ne pas prendre de l'essence là-bas. C'est un village modèle réduit. Hein. Alors, la station de service. Avec un grand prix pour le gasoil. Enfin, ouais, le prix, il n'est pas réduit, non? Le prix est élargi plutôt. Donc, alors nous revoilà. Et voilà. Oh, vous êtes contente, vous? Vous êtes contente? Eh bien, moi aussi. Moi aussi. Sur ce, ouais. Alors, il faut qu'on raconte quand même comment on est arrivé ici, parce que... Mais par la route? Oui, mais ce spot, c'était pas... J'étais mitigée, parce qu'on l'avait vu ensemble. Oui, mais ce spot, c'est John qui m'a envoyé le lien, oui. En premier, par texto, par SMS. Voilà. Et moi, j'ai regardé, je trouvais ça pas mal. Moi, j'étais mitigée, parce que ouais. Les commentaires, vous verrez, on vous le met en bas, là, voilà. Dans les descriptifs. Allez, voir voilà, les descriptifs. On vous met tous les liens, les ouais. Descriptifs en bas, le lien. Comme ça, tu cliques sur le lien, boum, tu arrives directement sur Park4Night. Yes. Voilà. T'as vu, j'ai bien prononcé. Hein. Yes. Et donc, vu les commentaires qui étaient un peu soit une étoile, soit cinq, ouais. Les photos, très mitigé, les ouais. Photos sont pas super, super. Ben, j'étais... J'ai l'impression qu'il a une ou deux photos qui étaient prises sous la pluie ou avec du brouillard, ouais, voilà, pas très encourageant. Ouais, hein. Ça m'a pas trop motivée. Donc quand je suis partie du barrage où j'étais pendant quelques jours, j'ai beaucoup marché. Là, je suis contente. T'as pas nagé? Non, j'ai marché. Mince alors. J'ai marché. T'as marché sur l'eau? Ouais. Ouais, parce que j'avais pas envie de nager. T'avais la flemme de nager. Bah voilà. Évidemment. J'ai écrit ça. Écoute, je pars en repérage. Je te dis si c'est bien, si c'est pas bien. Elle est restée encore, les cheveux dans le vent. J'étais bien au bord de l'Atlantique. Je suis vraiment désolée, Paddy et tous les autres. Je n'ai pas pu filmer un seul joli coucher de soleil pour la simple raison qu'il n'avait pas le soleil. Et pas de soleil. Et le seul soleil qu'il y avait, ben, c'était le jour de mon départ. Et ben voilà. Et donc, elle n'a pas attendu qu'il se couche pour partir. Elle s'est... Non, ouais, je me suis barrée plus tôt et puis même, j'étais même partie trop tard parce que j'ai pas réussi de faire le chemin en une seule fois. Il avait que deux heures et quart de route. Mais comme je traîne assez et voilà, je suis partie un peu plus tard, donc je me suis laissée surprendre par, vous savez, entre chien et loup, vous savez ce que c'est entre chien et loup, j'adore, partie de la journée, ouais, j'adore. C'est vrai que j'aime bien. C'est très joli. Ouais. Mais je préfère assis tranquille sur mon fauteuil en train de regarder. Ouais, pas au trop au volant. Lieu de rester derrière au volant et puis ça tombe, on voit plus bien. Non, je me suis arrêtée. Je trouve bien. En plus, elle voulait me faire la surprise d'arriver hier. Plus, voilà, j'avais pas dit. Non, elle m'avait pas dit qu'elle venait. Non. On savait pas la date. Ouais. Voilà. Et donc, bon, bah, c'est pas grave. Elle m'a dit quand même parce que.
je vais pas me faire du souci quand voilà. même. Mais en tout cas, en arrivant ici, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. On vous fera des vidéos parce qu'on va rester quelques temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Oh, Domino. Parce attendez, une minute. Je vais lâcher le pauvre, comme ça, il peut aller voir le chien du voisin. On vous fera voir au cours des jours. À chaque fois, on dit qu'on va rester quelque part. Finalement, au bout d'une semaine, on s'en va. Donc maintenant, je ne dis plus de durée, je ne dis plus rien. Toi non plus. Ouais, toi non plus. Donc, petit à petit, on va vous faire voir le spot. Pour l'instant, on voulait vous faire un petit coucou comme ça. Donc, le retrouvaille. Voilà, retrouvaille. Donc, moi, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo parce que tout simplement, j'avais pas de réseau, j'avais rien. C'était un bazar, mais un peu, phénoménal. T'as galéré, c'est vrai. Ouais, ça par contre, c'était vraiment très, très difficile. Mais sinon, je suis super contente parce que j'ai marché. Excusez-moi, mais j'ai le soleil. Je t'illumine. Ouais, yeah. Donc, du coup, moi aussi, je brille. T'as vu, on est toutes les deux en blanc en plus. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est l'hasard. Ça, c'est pas prévu. Bon, en tout cas, on va vous faire voir tout ça. Puis, on va. Bah, de toute façon, on ne vous quitte pas. Hein. Non. Comme d'habitude, on va vous raconter des bêtises, des choses plus sérieuses. Ouais, ça a déjà commencé. Ouais. Mais en tout cas, je me rends compte que. C'est pas facile de rester à un spot longtemps parce qu'à chaque fois on a la bougeotte. Hein. Je sais pas si on va y arriver là. Je crois que le plus longtemps qu'on est resté c'était à la mure, mais c'était par la force de choses. Oui, mais là on est obligé. Voilà, à cause des postes restantes, etc. Avec la poste restante et la commande qui est arrivée 3-4 semaines plus tard, donc on est obligé de rester plus longtemps. Mais sinon, au sujet. Non, mais c'est pareil, la obligation. Il y a toujours une obligation qui fait que. Et là, on n'a plus d'obligation. Là, c'est bon. Encore, moi, j'ai bougé pendant la dernière fois là, qu'on était au QG, enfin, mois d'avril. Moi, j'ai bougé parce que j'étais à Bordeaux. Quelques jours, oui, t'es parti à Bordeaux. Donc, mais oui, mais c'était encore des obligations. Encore des obligations. Ouais. Et là, pareil, Centra de Gaume, on était obligé de rester. La maison. Ça, là, on n'en a plus d'obligations. Là, on va voir. Alors, au fait, une petite info, parce que j'ai lu des commentaires et tout. Oh, Ambre, aide-moi. Attendez. Accroché. Eh ben, c'est ça quand on veut porter des jolis bijoux. Voilà. Merci. Voilà. Oui, une petite précision technique, quand même, qui peut intéresser. Alors, par ici, nous, on va toujours dans des villages, des choses comme ça. Non, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de je sais pas quoi, etc. etc. Par contre, il y a une chose au Portugal, et ça, j'ai trouvé que c'est vraiment très, très sympa. Vous pouvez aller dans n'importe quel bar-resto, parce que souvent, ils font bar-resto. Vous demandez le code Wi-Fi, ou alors il est carrément affiché sur le mur du bar-resto. Et vous pouvez rester une heure, deux heures. Ouais. Vous buvez un café au lait comme moi j'avais fait. Ouais. Et franchement, alors oui, la connexion n'est pas géniale. Bon, après tout, c'est gratuit. On est bien installé. On est accueilli par des sourires. Ouais. Ouais, les gens, je reconnais qu'à Portugal, ils sont vraiment très, très sympas. Hein. Moi, c'est vrai que je tombe sur des gens sympas. Ouais. Je suis super contente. Ça fait, comme je vous avais dit, ça fait 30 ans. Que j'étais pas venue au Portugal et déjà à l'époque j'avais remarqué la gentillesse, l'accueil, comment on dit pour aider l'entraide des gens qui vraiment qui t'aident et ça n'a pas changé. Non, et je suis super contente. Donc ça fait plaisir, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Non, mais ça fait plaisir de t'entendre dire ça parce que c'est vrai que des fois Non, mais en tout cas, on vous racontera plein de choses. C'est vrai qu'on vous a toujours pas parlé. Je viens de réaliser du coût de la vie au Portugal. On vous en parlera. Vous inquiétez pas, on a plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous dire, des rigolotes, des sérieuses, des mécaniques, des tout. Mais en tout cas, vous savez aujourd'hui que vous pouvez aller n'importe où au Portugal, boire un café, boire une eau pétillante et vous pouvez avoir de l'internet. Oui. Bon, moi, je reconnais que aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Dès que j'ai du réseau. Moi, j'ai 100 gigas avec mon abonnement SFR, donc j'ai largement de quoi faire. Le Wi-Fi gratuit ne m'intéresse que si j'ai pas de réseau, c'est tout. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Mais mais c'est pareil, j'ai 50 gigas et avec les 50 gigas, ça suffit. Quoi, même, c'est bien. Même là, je vous avais dit que mon ordinateur, ça y est, il est remis en état, il refonctionne à nouveau. Windows 10 réinstallé, il fallait faire les mises à jour et on m'a déconseillé de faire les mises à jour directement avec mon téléphone parce que ça me bouffe tout le forfait.
Finalement, non. Non, j'ai fait les mises à jour l'autre jour quand j'étais installée au bord de la mer là. Ça m'a pris que 3 gigas. Bon, Ouais. ça m'a pris une heure et demie de temps C'était pour parce que le temps pour limiter. ça se Ouais, c'était pour limiter télécharge les et gigas, c'est installation et tout. patati patata. Ouais. Mais finalement, ça m'a pris que 3 gigas Ouais, et ça toute la va. mise à jour de Windows Mais 10, il y a des gens qui ont des ça va. abonnements à 5-6 gigas Oui, seulement, oui, hein. oui. Oui, C'est pour eux, ça bien évidemment, aussi. 3 gigas, c'est énorme. Hein, Bon, hein. nous, attention, je le redis, nous, on fait très attention parce que à l'étranger, ça n'a rien à voir que Non, on n'est lorsqu'on pas est là en pour France. France, En non. France, bon, ben, on est comme tout le monde, on a un illimité Ouais, tranquille, quoi. Hein. ouais, Donc, c'est ouais, parfait. Mais ouais. c'est vrai qu'à l'étranger, c'est toujours un petit peu compliqué. Sauf que maintenant, les pays qu'on dit pays étrangers, en fait, sont devenus nos pays. Eh oui, ma chérie. Eh Parce oui. que Oui. plus rien en France. Moi, j'ai uniquement, il me reste uniquement une adresse postale chez le courrier de voyageurs. Arrête, C'est tout. tais-toi, tais-toi. Moi, j'essaie de me débarrasser de ma maison. Bon, d'accord, c'est même pas 2 mois que j'ai Allez mise en acheter, vente. allez acheter sa maison, Ou les allez acheter maisons. le QG. Vous la connaissez, vous le connaissez, vous avez déjà vu. Intérieur, extérieur, vous connaissez. Allez, Elle achetez. est pas Il y a, chère, achetez, même plein t'achètes. de trucs encore. Il y a le frigo dedans, le frigo, super génial le frigo. Tout, Quel il y a des frigo meubles, il y a tout, d'abysse. il y a des bureaux, il y a tapis de marche. Oui, elle Il y tapis a de tapis marche, de marche. Écoutez, vous faites une affaire en or. Il y a 1500 mètres carrés de terrain quand Et même. 1500 mètres Et carrés. c'est dans les vignes. Les 1500 mètres carrés de terrain, il faudrait peut-être les nettoyer un petit peu. Ouais, mais Mais c'est là, pas bon. grave. T'amènes la tondeuse, pas de tracteur, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Allez acheter le QG comme ça. Ambre, elle est tranquille parce qu'elle est quand même un peu. Bon, et en fait, Voilà. Chrissa, elle a donné une info importante là. Elle a de Bon. nouveau un ordinateur Oui, en place. oui. Donc, tu vas devoir nous refaire des aides de tourisme. Je peux. Déjà, il y Parce a. que je vois bien que vous les aimez, mais moi, je les aime bien aussi, hein, les aides de Ah tourisme. bon? Bon, oui, je les aime bien, tes aides de Ah bah oui, non, tourisme. mais c'est pour ça. Elle y va jamais faire du tourisme, elle compte sur mes gestes de tourisme, c'est Merde, ça? elle a compris. Merde, elle a compris. Non, tu es venue une seule fois avec À moi à Dijon, Dijon. voilà. Voilà. Bon. Non, c'est qu'en fait, j'avais fait là le dernier spot au bord de l'Atlantique où j'étais. J'avais fait plusieurs vidéos et je voulais les monter, mais en fait, finalement, j'ai arrêté parce que j'avais plus d'électricité et je préférais garder le peu d'électricité qui Tu me m'étonnes. restait pour pouvoir mettre un peu de chauffage parce qu'il avait Tu froid, pour m'étonnes. avoir un peu d'éclairage le soir. Ben, pendant 2 jours, il n'avait pas de soleil du tout. Donc, pour Ouais. avoir l'électricité, c'est un peu difficile parce que là, c'est vraiment, vous avez vu le spot, c'est vraiment en dehors de tout, quoi. Mmh. Ouais. Ben, un côté la mer, à gauche des falaises, à droite Oh, mais ben, t'étais des bien quand falaises. même, hein? Prochaine habitation, à, je sais pas, 1 km, prochain village à 5 km. Ben, c'était génial. Ah ben ouais, Ah, c'était c'était magnifique, hein. génial. Les vagues, le vent, la nuit, les étoiles, vous pouvez même pas imaginer, mais c'était une montée vraiment Dis, j'ai vu super. que vous Voilà. étiez nombreux. Donc voilà, j'ai Pardon. fait plein petits bouts de vidéos. Il faut que je les colle ensemble et je vais vous le donner. Ça vous Voilà. faire un zeste de tourisme? Ouais. Bah oui, Bah oui, pourquoi de pas? l'Atlantique, ouais. Bah pourquoi pas? Bah si, c'est Oui, du tourisme. effectivement. Bon Parce qu'il y a un petit panneau avec des explications. Non mais même si on n'a Avec. pas les explications, c'est pas grave, hein. C'est en portugais, mais il y a des images Rien que de avec. voir l'océan, c'est bon. Mais en parlant d'océan, vous êtes nombreux à avoir fait des remarques sur où est écrit ça par rapport au fait que ça ressemble à la Bretagne. Et je ne sais pas si grâce à vos commentaires, vous ne m'avez pas apporté une moitié de réponse. C'est qu'il y a beaucoup de Français au Portugal, on croise beaucoup de Français et il y a beaucoup de Bretons. Alors, est-ce que les Bretons viennent ici retrouver un petit coup de leur Bretagne? Bretagne, mais au chaud, un peu plus au chaud, Ouais. ces temps-ci? Je ne sais pas. C'est certainement plus chaud ici. Comme j'ai dit Oui. à un de vos commentaires, j'ai dit, ouais, je connais pas la Bretagne, j'aimerais bien y aller, mais pas en hiver. Ah non, 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 pas en hiver, Non, non, non. Non, 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 je non. persiste. Et pendant que j'étais seule, sans ma grande sœur, je suis quand même fière de moi parce que j'ai refait le plein de GPL Ouais. dans la bonbonne de GPL. Ouais. Je suis allée à une station spéciale, on vous mettra les liens, mais en tout cas, Oui. il y en a plein dans le sud du Oui. Portugal où, avec ma bonbonne, je dis bien ma bonbonne française de Propane, propane, ouais.
Maman, t'as vu? Non, mais je savais dire, hein. Bon, je savais dire toute seule. Eh ben, j'ai rechargé le GPL. Non mais vous imaginez même pas comment je suis fière parce que je me suis débrouillée toute seule sans Christ. Mais j'avais peur. Et la dame qui m'a servi, elle avait peur aussi parce que son mari n'était pas là. Alors je me suis dit, bon, allez, c'est moi qui vais être courageuse. D'habitude, c'est Christa qui est courageuse. Là, c'est moi qui ai refait toute seule comme une grande. C'est parfait. Ben, je vous garantis que je suis fière. Mais tu as le droit d'être fière, c'est très bien. Ça fait peur, parfait. Mais je comprends, ça fait peur. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, après tout, on risque rien. Parce que oui, il y a des giclées de gaz, mais il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'étincelle, j'ai même pas de briquet, je ne fume pas. La seule chose, il ne faut pas mettre la main devant parce que c'est gelé. Donc oui, c'est froid. Tu te gèles, ouais. c'est pas une émotion froide. Ah oui. C'est ce que l'autre fois j'avais eu froid là. Ouais. Donc oui, ça fait peur. Par contre, pour me rassurer aussi, je vais m'acheter une bonbonne, une bonbonne comme ça, toute simple, où tu as un spray, c'est un contrôle de fuite ou pas. Ouais. Parce que finalement, je l'ai cumulé, j'avais un joint qui manquait dans l'adaptateur après, une fois que c'était mis. Et effectivement, j'ai une fuite. Et donc, avec cette petite bombe, un monsieur qui m'a aidé là, ici, parce que j'avais une fuite assez importante, ben, il a mis sa bombe et effectivement, il a confirmé que j'avais une fuite. Donc, toi, il faut prévenir. Après, tout ce qui est ablution, bon, voilà, j'ai trouvé l'adaptateur pour les robinets portugais, ça, au niveau de l'eau, gasoil, tout ça, c'est bon, ça va. Ça, j'ai pas de problème. Voilà. Mais c'est surtout le gaz que je voulais faire toute seule, comme une grande, sans ma grande sœur. Parfait, t'as très j'ai bien grandi réussi. Un tout petit peu. Ça t'es déjà plus grande que moi. Oh, mais que physiquement et plus large aussi. Plus grande et plus large. Bon, cette fois-ci, ce soir, on va fêter nos retrouvailles. Oh oui, la bouteille est déjà au frais. Wow. C'est une bouteille de Vigno Verdun. Oh. Vous connaissez le Vigno Verdun? C'est du vin blanc qui pétille un tout petit peu. Il n'est pas du tout acide, il est très bon. C'est l'espécificité portugaise, une spécialité portugaise. Ouais. Excellent, il y a plein de types. J'ai pas trouvé. On va goûter ça. J'ai pas trouvé celui que je préfère parce qu'il en avait plus en rayon. Le grand vide, ben j'en ai pris un autre. Et moi j'adore le vin Vigno Verde. Je suis pas trop fan de vin blanc. Non, c'est pas trop ton truc, c'est le vin pas blanc. Pas trop mon truc. Hein. Sauf en été, quand il fait très chaud. Oui, voilà. Un petit blanc bien frais à l'apéro. Mais un bon blanc parce Mais que sinon bon elle blanc, aime pas trop. Je suis pas trop vin blanc. Je suis vin rouge, beaucoup vin rouge. Mais celui-là, je l'adore. J'ai fait connaissance, je l'ai connu quand j'étais venu ici il y a une trentaine d'années. Et je suis contente de le retrouver aussi, cela. On va vous montrer aussi, oui, effectivement, vous vous souvenez du marché à Orignon? Oui, bah oui. Fait avec des spécialités espagnoles. Oui, vous aviez beaucoup, beaucoup commenté, ça vous avait beaucoup plu, je me souviens. Voilà, ouais. Et j'avais même les hall courses. J'avais même fait les hall courses. Je trouve ça complètement... Je trouve ça moche comme mot. Ouais, c'est pas très beau comme mot. C'est je sais pas, pas d'où ça vient, mais bon, pas... enfin bref. Ça doit venir d'anglais, je sais pas. Certainement, mais je trouve ça très moche comme mot. Donc, il y a un marché, tu m'as dit, dans le village, le premier jeudi du mois. Oui, le premier jeudi du mois, il y a un marché où, parce que je me suis renseignée, parce que je sais que Christa, elle voudrait vendre ses petits bricolages, oui, des petits, oui, mais oui, bon, oui. Il y en a des grands des fois, hein, ouais, voilà. Ouais. Et puis, il y a à manger aussi, mm-hmm. Il y a une restauration qui se fait dans le marché, etc. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je me suis renseignée pour la Miss. Et donc tu pourras aussi, et puis là pour les juste avant Noël, ça peut être bien pour Christa si tu veux vendre des choses pour Noël tout simplement. Des bijoux, des accessoires. Ça c'est facile de le faire au Portugal, c'est facile de le faire en Espagne, mais toujours viser les petits villages. Et oui, ça c'est... À Orignon, si j'avais su, je me serais. On va te pardonner pour les conjugaisons. Les Français les connaissent même pas, alors on dit pas. Parce qu'à Orignon, avant d'arriver
sur le vrai marché, là, ouais. dans la rue où on était, il avait à droite et à gauche, il y avait des marchands plus ou moins sauvages. Plus que, voilà. Ouais, voilà, plus à la sauvette. À la sauvette, voilà, c'est le mot que je cherchais, à la sauvette. J'en ai vu, hein, je rigolais. Alors, il est arrivé avec un break, il s'est juste garé, voilà, avec le nez vers le mur, là, le grillage. Il a ouvert le rayon derrière, il a installé ses bouteilles de parfum, des imitations, je ne sais pas trop quoi. Oh, oui. Il est resté à côté, là, il a vendu comme ça. Ah bah oui. Tu vois. Mais et dans les villages, on peut. Il y en avait plein, il avait ouais. d'autres qui ont vendu des vrais faux Lacoste. Attention sur la table. Hein, des je ne sais pas trop quoi encore, ouais. toutes sortes de bon, peu importe. Et ils ont emballé avant la fin. Parce que normalement, je ne sais pas comment ça fonctionne en Espagne, mais je sais qu'en France, le garde champêtre, il vient avant la fin du marché pour encaisser. En France, et surtout avant, hein, je crois. Je ne sais pas. Mais je me souviens... Je crois que c'est au dernier moment. Non, parce que j'ai vu qu'en France, au dernier moment, tu peux prendre un emplacement si le garde champêtre te dit « c'est bon, c'est libre ». Mais bon, je ne sais pas, mais je me souviens à Morsenx, à l'époque où j'habitais, il avait marché mercredi et marché samedi. Donc le garde champêtre, il venait vers 11h, 11h30, faisait le tour pour encaisser. Ouais, ben oui. Alors je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais je sais qu'eux, ils ont embarqué, ils ont remballé. En tout cas, Crystal aura de quoi vendre ses petites affaires. Donc ça te laisse un petit peu de temps pour créer plein de choses. Pour faire encore autre chose, j'ai déjà fait pas mal de boucles d'oreilles. Ouais, mais il y a aussi pour les lunettes, là, avec l'anneau, c'est pas mal. Des petites choses comme ça. Là, parce que beaucoup de gens portent des lunettes, donc je trouve que c'est pas mal. Pour accrocher les lunettes, voilà. Bon, écoutez, de toute façon, on vous tient au courant. Ouais. Je n'ai pas oublié, les recettes de pain. Ah, oui. Donc, un de ces jours, je vous fais voir. Ben non, j'ai pas fait. Ben non, je pouvais pas. Et puis j'en ai pas fait de pain en plus, j'en ai vraiment pas fait. C'est vrai. Bon allez, à bientôt mes chéris, à très vite. Salut. Ciao ciao mes amours, à la prochaine, amusez-vous bien. Bon, je peux finir mon café tranquillement maintenant.